Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme il a été annoncé, ce soir, moi, exceptionnellement, donc, il va présenter le journal en version française de la TV Plus Madagascar en ce 8 mars. Voici les titres. C'est en ces termes que la première dame de Madagascar, Mialdra Dzuil, soutient l'importance capitale de donner accès à l'éducation aux filles et aux femmes. En cette journée internationale des droits des femmes, l'ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre en appelle à tout pour qu'en ce 21e siècle, les femmes ne soient plus traitées comme le sexe faible, seulement digne d'être un ornement du foyer. Il faut toujours marquer le 8 mars, selon la vice-présidente de l'UEM ou Union pour l'émergence de Madagascar, l'association Ichlan, qui défend les droits des femmes et des enfants a déjà été mise en place à Toulouse au profit des ressortissants malgaches de l'étranger et le combat pour l'instauration des droits des femmes continue. Un camion porte-conteneur à destination de Thomassen est tombé soudainement en panne sur le pont d'Anouszat, Antananarivo, sur la route nationale numéro 1 dans la matinée de ce 8 mars 2023. La sellette d'attelage du camion qui s'est désengagé aurait été à l'origine de l'incident qui a immobilisé le véhicule en plein milieu du pont, entraînant un embouteillage monstre d'après les explications du conducteur. Les femmes vont manifester en masse mercredi à travers le monde pour défendre les droits bafoués dans de nombreux pays. Et avant d'entamer ce journal, je tiens à adresser tous mes voeux à toutes les femmes malgaches, sans exception, en cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Ainsi, les femmes sont à l'honneur et notre journal de ce soir est largement dominé par les actualités se rapportant à la célébration donc du 8 mars à Madagascar comme à l'extérieur. Et pour commencer, focus sur la cérémonie qui s'est tenue au stade Baréa Mamasna ce matin. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. C'est en ces termes que la première dame de Madagascar, Mialdra Dzuil, soutient l'importance capitale de donner accès à l'éducation aux filles et aux femmes. En cette journée internationale des droits des femmes, l'ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre en appelle à tous qu'en ce 21e siècle, les femmes ne soient plus traitées comme le sexe faible ou également comme un simple ornement du foyer. Elles méritent de recevoir une éducation convenable car les femmes éduquées sont l'espoir d'un développement durable. La journée du 8 mars a fait l'objet d'une célébration en grande pompe dans la capitale au stade Baréa de Mamasna avec la participation de 600 associations de femmes des 23 régions de Madagascar. Reportage de Fitiavana Douni avec les images d'Ibrasat. Une fille éduquée, une femme autonome, garante du développement durable, a été le thème choisi pour célébrer ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, à Madagascar. Tout au long de son discours, Mialdra Dzuil, première dame de Madagascar et non moins présidente de l'association FITI, mais aussi ambassadrice de l'UNFPA dans la lutte contre la violence basée sur le genre, n'a pas cessé de mettre en avant
importance capitale de l'éducation dans la vie d'une fille. Aujourd'hui, je prends conscience de l'importance de cette citation qui disait qu'éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation, selon Mial Radzouin. Elle a toujours été en première ligne lors des différentes activités liées à l'éducation et à la formation des filles et des femmes. Car selon toujours la première dame, l'éducation est la seule voie sûre pour l'épanouissement de tout un chacun, notamment celui des femmes. Elle exhorte les mères de famille à éduquer leurs filles. Nombreuses sont les filles privées d'éducation à tomber dans le piège du mariage précoce, regrette la championne de la lutte contre la violence basée sur le genre. Elle rejette le stéréotype encore associé aux femmes, selon lesquelles elles ne jouent qu'un rôle décoratif dans le foyer et sont souvent reléguées au second plan. En ce 21e siècle, l'image de la femme devrait être dissociée de la faiblesse et des futilités. La femme devrait jouer un rôle prépondérant dans la société. La femme a sa place et sa responsabilité au niveau de la nation, d'après elle. Simone Diouf n'a pas eu droit à la célébration du 8 mars à cause des intempéries, mais Mial Radzouin avait eu une pensée particulière pour les populations victimes du passage du cyclone, surtout les femmes, dans cette partie de la Grande Île. Dans son discours, la journée du 8 mars a été célébrée en grande pompe dans la capitale, au stade Barea de Mamassan. La célébration a vu la participation de 600 associations de femmes venant des 23 régions de Madagascar. Le défilé des associations femmes a été dynamique et haut en couleur. Les institutions telles que le Sénat de Madagascar, les départements ministériels, les organismes rattachés et les diverses associations ont été représentées. C'est important de toujours marquer la date de 8 mars selon la déclaration de la vice-présidente de l'UEM ou l'Union pour l'émergence de Madagascar. L'association Ishlan qui défend les droits des femmes et des enfants a déjà été mise en place à Toulouse au profit des ressortissants malgaches de l'étranger et le combat pour l'instauration des droits de femmes continue. Les femmes membres de l'UEM ont ainsi marqué la journée des droits des femmes en participant à l'événement au stade de Mamasna de ce jour. Les détails avec Sibylla Ranjamazar avec les images de Fetcha Anjamananzar. Il est important pour les ressortissants malgaches vivant à l'étranger ou la diaspora que les droits des femmes soient établis sur un socle indiscutable. L'association Ishlan qui défend les droits des femmes et des enfants, a été établie à Toulouse en France au bénéfice des expatriés malgaches et le combat pour l'instauration des droits des femmes continue, d'après les précisions. Les femmes, en tout cas sur Toulouse, via déjà l'association Ishlan qui défend les droits des femmes et des enfants. Je porte même la broche qui est à base de raffia de Madagascar. Et je travaille avec un atelier de femmes depuis plus de 15 ans. C'est l'atelier Tcharafib qui a été reconnu par le ministre des Artisanats. Donc du coup, nous on défend déjà le droit des femmes et les droits des enfants à Toulouse en tout cas et en France. Voilà. Moi je vais continuer mes efforts parce que je pense qu'il est important de rappeler ce jour-là. Personnellement, je pense qu'il est important de rappeler ce jour-là. Donc moi je vais continuer mes efforts et c'est pour ça que je voulais vraiment marquer mon retour au pays via cette journée internationale. Il faut toujours marquer la journée du 8 mars, selon ses dires. C'est l'occasion de montrer que le combat que les femmes ont mené jusqu'à présent est important et qu'elles doivent toutes bénéficier des acquis correspondants. Vraiment qu'on commémore toutes les guerrières, toutes les personnes qui justement se sont battues pour qu'on arrive à cette journée internationale de la femme. Voilà, donc moi c'est vraiment mon objectif au quotidien en France. Et aujourd'hui, j'arrive en tant que personne physique, en tant que Shamila Afedji, en tant que femme, pas via mes casquettes spécialement que de UEM ou via mon partenariat avec Miaradi ou via en tant que fondatrice de Ishlan, parce que j'ai plusieurs casquettes associatives. Par contre, étant donné que je suis fondatrice et vice-présidente, parmi les fondateurs et vice-présidentes de Union Émergence Madagascar, je voulais vraiment mettre un honneur aux femmes de Union Émergence Madagascar.
les femmes membres de l'Union pour l'émergence de Madagascar n'ont pas manqué de célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Elles ont activement participé à l'événement organisé au stade de Barré de Mamasne ce jour, dans tout défilé. Mais certaines associations de femmes ont choisi de célébrer la Journée mondiale des femmes en aidant les plus démunies. Les femmes de l'association Interclub International Féminin, conscientes de leurs responsabilités pour le développement du pays et en tant que femmes et mères, ont choisi d'apporter des aides aux enfants orphelins. Reportage sur les images d'Éric Renin-Vousson et au micro de Santacha Lantonirinien. Les femmes de l'association Interclub International Féminin estiment qu'elles ont le devoir et la responsabilité de participer au développement du pays. En tant que femmes et mères, celles-ci ont choisi d'offrir des aides à des enfants orphelins dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, on est venu apporter ce qu'on peut apporter, donc une petite liste de leurs besoins, dont des moustiquaires aux bébés, des baignoires, du lait, du riz, surtout du lait du Nursi 1 et du Nursi 2. Ils ont surtout besoin du Nursi 1 parce que la majorité sont des nourrissons. Et l'action qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas une action isolée de cette année, c'est que tous les ans, l'Interclub féminin fait une action quelque part. Mais cette année, nous avons choisi de faire cette action à ce centre qui s'occupe des enfants qui sont voués, destinés à l'adoption. À l'occasion de cette Journée mondiale des droits des femmes, ces derniers ont choisi pour cette année d'apporter leur aide au centre Ange. L'objectif du centre est de rendre autonome des enfants pour en faire un jour des citoyens responsables. Et toujours dans la même foulée, à Madagascar, peu nombreuses sont encore les femmes à oser prendre leurs responsabilités politiques en faveur du développement du pays. Encourager les femmes à prendre les devants afin qu'elles ne soient pas sous-estimées par les hommes est l'une des raisons pour lesquelles l'Association des femmes mères a été créée. L'association regroupe 94 femmes mères issues des 23 régions de Madagascar. Pour ce 8 mars 2023, certaines d'entre elles ont participé à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de la Première Dame de la République et non moins mère de tous les Malagas, Mia Radzouil, au stade Barria de Mahamas. Les femmes mères ont exhorté toutes les femmes à oser prendre les responsabilités pour le développement du pays. Certaines des femmes mères venues de loin ont choisi ainsi d'ajourner la célébration de la Journée internationale des droits des femmes dans leur commune, ceci afin de démontrer la solidarité qui règne entre les membres de l'Association des femmes mères, une association toute récente car elle a été tout juste créée cette année. Et sur un tout autre sujet, un camion porte-conteneur à destination de Thomas est tombé soudainement en panne sur le pont d'Anoussato en Tananarive, sur la route nationale numéro 1. Dans la matinée du 8 mars, en effet, la sellette d'attelage du camion qui s'est désengagé aurait été à l'origine de l'incident qui a immobilisé le véhicule en plein milieu du pont, entraînant ainsi un embouteillage monstre. En effet, la circulation a été totalement interrompue pendant 3 heures, bloquant sur place non seulement les véhicules, mais aussi les piétons qui ont été obligés de traverser la fleuve en pirogue pour pouvoir passer de l'autre côté. Elisa Herman et Marcelin Andjambirvund étaient sur terrain. Un embouteillage plus de 1 km a été causé par un camion tombé en panne au beau milieu du pont d'Anoussato sur la route nationale numéro 1. Les usagers de cette route ont été obligés de contourner par Itos pour pouvoir se rendre de l'autre côté du pont. Les piétons, quant à eux, ont dû traverser le fleuve
en pirogue, déboursant un droit de passage de 400 arrières par personne pour l'occasion, si seulement celui-ci doit être de 200 arrières par personne. Ce camion porte-conteneur avait effectué un dépassement double fil empruntant la voie de gauche. C'est quand il a regagné la voie de droite que s'est produit la panne d'après les sources. Le détachement de la sellette, date et l'âge du camion auraient été la cause de la panne d'après les explications du conducteur. Il est à signaler que ce camion aurait pu tomber du pont sans la présence des garde-fous. À exactement 11h30, la circulation est revenue à la normale sur cette route nationale, faisant taire les rumeurs selon lesquelles le pont d'Anouzat aurait été coupé définitivement. Ce n'est qu'après avoir eu vent de ces rumeurs que les responsables au niveau des travaux publics étaient arrivés sur les lieux, d'après toujours les sources. À 10h15, les responsables ont dépêché un engin pour tracter le véhicule en panne. Les autorités compétentes ont pris des mesures par rapport à cet incident qui a affecté de nombreux citoyens, dont la mise en fourrière du camion pour 10 jours, d'après les sources. Et pour les actualités internationales, les femmes manifestent en masse à travers le monde en ce jour du 8 mars pour défendre leurs droits bafoués dans de nombreux pays du monde. Reportage de France 24. Malgré les luttes féministes et des avancées, le constat est accablant. Au niveau économique, les femmes sont désavantagées face aux hommes. L'inégalité salariale persiste dans le monde entier. Les écarts de rémunération sont importants. En moyenne, le salaire des femmes représente 77% de celui des hommes. Elles consacrent aussi plus de temps aux travaux non rémunérés, 2,5 fois plus que les hommes. Sans surprise, plus de 60% des travailleurs les plus pauvres sont des femmes. Cette inégalité se retrouve à toutes les échelles, même au plus haut niveau. Dans le monde, seulement 18,3% des entreprises sont dirigées par une femme. Alors certains pays ont décidé de prendre les choses en main. C'est notamment le cas de l'Espagne. Le gouvernement souhaite que les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse comptent au moins 40% de femmes. Cette nouvelle règle s'appliquera également aux grandes entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, celles qui emploient plus de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 50 millions d'euros. Salaire plus faible, emploi moins qualifié ou à temps partiel et une conséquence directe sur le montant des retraites. L'écart des pensions entre les deux sexes est considérable. Selon une étude, les femmes perçoivent en moyenne dans l'Union européenne une retraite inférieure de 29% à celle des hommes. Et c'est ainsi que s'achève notre journal de ce soir. Avant de nous quitter, je tiens à remercier la station TV Plus Madagascar de m'avoir permis de revenir sur les plateaux 22 ans après mes débuts. Je vous dis à très bientôt sous d'autres cieux. Au revoir.